Ça ne se fait pas dans le vent le monde, mais que voulez-vous, ça fait quand même un drôle d'effet. Mais il faut que je vous explique. C'était environ il y a 800 ans, il était exactement Louis IX moins le quart. Je suis né au bord du Gardon, dans le Gard, au sud du Zès. C'est une région que vous connaissez bien, c'est là d'où venaient les brennes, les fameux brennes, avec le bouclier, vous savez. Je suis née fille et de bonne famille, mais, comme on dit, de père inconnu et de mère incertaine. On m'appela donc Barbe, l'étrangère. Plus tard, le marquis de Verroy, ou de Verru si vous voulez, eut la bonté de me donner un nom, étant de mes fervents admirateurs. Et c'est ainsi que je m'appelais du nom de Barbe de Verru. J'eus beaucoup de succès dès le début, dans le sud de la France, dans le nord, partout. J'étais connu, mais connu, aussi connu que, je sais pas, moi, aujourd'hui, Mireille Mathieu. Je jouais dans les plus grands, dans les plus grands théâtres, dans les plus grands châteaux, partout. Et puis, un jour, voici que je rends mon âme à Dieu, comme tout le monde. Et puis aujourd'hui, je me retrouve ici. Je sais pas pourquoi. Et v'là-t-il pas qu'il faut que je vous raconte un poème. Eh bien, je vous cache pas qu'à 800 ans, on perd un peu la mémoire. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Voyons, qu'est-ce que je pourrions vous raconter? Ah si, je sais. J'avais un poème qui avait beaucoup de succès. Mon portrait. Je me rappelle. Ouais. Mais... désolé, mais je ne le connais qu'en Languedoc, ma langue de l'époque. Alors, j'essaierai de le mimer pour que vous puissiez comprendre. Du chef au piège et de l'altor, plus que n'en faut pour n'être brief. Eh bien, chemine en sénator, pour ça ne m'en couidez plus grief. N'esfect montagne pour esbloir, oncte ne m'a flotti les gènes. Icienne, ébé, j'ai pu l'ouïr, choisisse n'eust en moi protigène. Feur mes yeux trop pétillants de veine et d'amoureuse flamme. Or plus dolcheste, moins scintillant, dise la paix qu'est en mon âme.
Gênes et Romains et front à pair, grand serein, si que de belle aurore. Bouche riante, arrose à terre du filtre que mes sens y rend. Pour mon sein ne soit que blanc de nerf qui n'arrisse rien qu'à sa peinture. Donc est bio, non, mais comme phénix. Quoi n'a sien père en la nature? Ah, mons, femme, comme une hyène! J'assois, n'est cheuse nerf, n'est bionde. En quoi se met? Ah, ça est trop bien, mais ne vaille pas le dire au monde. Bref, face augure à l'air bénin, taille, ni grêle, ni membru. Brave, col drex, pied féminin, si vegaise barbe de verrue. Mais à cette époque, on n'était pas si public qu'on le dit aujourd'hui. On aimait bien la gaudriole, hein? Mais on en parlait peut-être moins qu'on le chantait. Tenez, cette chanson, dont l'auteur est anonyme. Trop penser me font amour dormir ne puis, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Comment parlerai-je à vous, ma douce amie? Vous ne me parlerez pas, mon bel ami. Comment parlerai-je à vous, ma belle amie? Vous ne me parlerez pas, mon bel ami. Vous viendrez à la fenêtre à la minuit. Quand mon père dormira, j'ouvrirai sans bruit. L'amoureux n'oublia pas ce qu'on lui dit de venir à la fenêtre à la minuit. L'amoureux n'oublia pas ce qu'on lui dit de venir à la fenêtre à la minuit. La fille ne dormait pas, elle attendit toute nue dans sa chemise, elle lui ouvrit. Mon ami, la nuit s'en va et le jour vient de partir à nos amours, il nous convient. Mon ami, la nuit s'en va et le jour vient de partir à nos amours, il nous convient. À cette époque-là, on était joyeux et puis on aimait bien s'amuser sur plusieurs instruments. Tiens, je vais vous jouer un petit branle. Bon, il n'est pas très médiéval, il est de ma composition, mais enfin bon. On va s'y faire, hein. Et l'instrument, ben, c'est l'exilande, l'un des plus petits instruments. On aimait bien danser la bourrée, la fameuse bourrée qui a toujours survécu. Mmh.
flamand. Et on avait la danse de l'ours. Moi, c'est que les hommes à l'époque. Mais j'aimais bien des amants. Mais j'en ai eu partout. En Italie, en Suisse et tout ça. Mais le récit de mes aventures serait bien long pour ce soir. Et j'ai connu des tas d'hommes. Et des beaux. Et des grands. Même un roi. Mais jamais je me suis marié. Hein. Et puis, après, il faut avoir des enfants. Et comme si bien dame 45. Na carenza pensi marit me gensa. Mas far enfants coges que grand perdensa. Que l'estetilias pendon avalios. En ventril escargas en enoios. Oui, enfin là je vais vous traduire, je suis gentil. Hein? Prendre un mari, je veux bien. Mais faire des enfants me désespère. Les seins vous tombent au plus bas. Le ventre se ride et fait mal. Et puis, hein, c'est quelle époque, hein? Bon, les femmes avaient plus de droits qu'on pense. Mais les hommes avaient quand même le droit de battre leurs femmes. Pendant plus de 60 ans que j'ai vécu sur cette terre, j'en ai rencontré des gens. Et j'ai entendu parler de beaucoup de gens. Tenez, une que vous ne connaissez pas. Une grande dame pourtant qu'on a oubliée, mais elle vivait à peu près 100 ans avant moi. C'est Marie de France. Bah, on l'appelait Marie de France parce qu'elle s'était présentée au roi d'Angleterre. Alors, comment il s'appelait déjà? Henri. Ah oui, ça c'est mon âne et moi. Plantagenet. Henri Plantagenet. Et pour se présenter, elle lui avait dit et non Marie. Et Soun de France. Mon nom est Marie et je suis de France. Elle était interprète, elle a traduit le breton, les contes bretons par exemple. Elle a effectivement fait connaître beaucoup de langues et elle parlait en anglo-normand. Elle a écrit beaucoup de fables, dont certaines, ou la plupart, ont été reprises par La Fontaine. Bon, je ne vais pas vous raconter une des fables de La Fontaine, mais, par exemple, j'en ai une qui est bien. Elle est en anglo-normand, c'est un peu compliqué. Ouf, allez, vous êtes gentil? Vous êtes gentil, oui. Je vais vous la traduire, hein. D'une vie incunte que gaita des densous si espia. Un paysan faisait le guet et épiait derrière sa porte. Un altro met vite sur son lit dans sa femme fit sous délite. Il aperçut sur son lit un autre homme en train de prendre du plaisir avec sa femme. Oh là, soit-il, qu'ai-je vu? Pauvre de moi, dit-il, qu'ai-je donc vu? Donc là, la femme répond, que baisse vous, belle sire et amie? Alors la femme lui répond, qu'avez-vous donc vu, mon cher ami?
Un altrum ceum est avis sur mon lit étant embrassé. Un autre homme qui sur mon lit te tenait dans ses bras. Je vous dis la femme croussier, pensez, fait-elle, nous bien que c'est votre vieille folie, tout va me tenir mensonge à verre. Et elle réplique furieuse, Seigneur, j'en étais sûr, ce sont des idées folles. Tu peux prendre un mensonge pour une vérité. Elle vive, fait-il, c'est d'un bec clair. Je l'ai vu, répète-t-il, et je suis bien obligé de le croire. Folies, fait-elle, c'est tout classe pour vérité comme que tu vas. Fou que tu es, dit-elle, si tu le tiens pour vérité tout ce que tu vois. À Smens, les prennent au lilenmen à une couvée de veplaine et des danslèves et les fils guardés. Le prenant par la main, elle l'emmène près d'une cuve pleine d'eau et le fait regarder à l'intérieur. Puis il commence à demander qu'il baisse dedans et ils disent qu'il se mange même vite. Puis elle commence à lui demander ce qu'il voit dedans. Il répond qu'il aperçoit sa propre image. Pourquoi, dit-elle, n'est tout ou pas dedans, cela couvre tous ses draps. C'est tout, il baisse une semblance. Tout ne baisse pas avec créance un tes whisky mène sauvante. Eh bien, dit-elle, et tu n'es pas dans la cuve avec tous tes vêtements, bien que tu en aies l'impression. Tu ne dois pas faire confiance en tes yeux qui mentent souvent. Dus les vilains, tu me reprends. Alors le paysan, je me reprends. Chascun d'être miel clair et s'avère, tcheo que sa femme dit pour vert, que tcheo que si mal vaisse, ouais, veille, qui par voie les folente. Chacun doit plutôt croire et admettre ce que sa femme lui donne pour vrai que ce que voient ses yeux perfides qui lui font voir des choses folles. Par cet exemple, nous devisons que moult valmien sens et cointis et plus aidae mente gens que si s'avère et si parente. Ce récit exemplaire nous montre que l'intelligence et l'habileté valent mieux et sont plus utiles à bien des gens que leur richesse ou leurs parents. À cette époque-là, parmi les troubadours, il y avait aussi beaucoup de femmes. Eh oui, on compte à peu près 30% d'œuvres écrites par des femmes. On les a quasiment toutes perdues. Mais à part l'œuvre de la chanson de Béatrice de Dien, et puis une autre, eh bien écrite parce que les rois et les reines s'y mettaient aussi. Ils aimaient bien pousser la chansonnette. Et une autre écrite par Blanche de Castille. Ma pasha senior pris dus doma de paradis les troubadours, il y avait même des rois. Eh ouais, et oui. Tiens, il aimait beaucoup les femmes, enfin,
Je sais pas si les femmes l'aimaient beaucoup, mais c'est autre chose. Le roi Henri VIII d'Angleterre. Un autre, un célèbre troubadour, un fils d'Aliénor d'Aquitaine, et oui, assez inattendu dans ce rôle-là, mais c'est Richard Cœur de Lion. On est dans les rois, c'est Thibaut de Champagne, roi de Navarre et descendant d'Aliénor d'Aquitaine et très proche de Blanche de Castille dont j'ai chanté une des chansons tout à l'heure. Voilà, ici c'est Seigneur, sachez qui hors de s'en ira. Sachez qui hors de s'en ira, oh, à cette terre où Dieu fait mort ses vices, et qui la croix d'outre-mer me prendra, à Païsme ira en paradis, qu'il en habitié ne reviendra en France. Oh, oh Seigneur, toi qui rais sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. Entre le troubadour et sa dame de cœur était proche du système féodal, finalement. C'était une sorte de transposition de la féodalité. Le troubadour se mettait au service d'une dame, en général de très haut rang, et Marie, mais il ne devait pas dépasser certaines mesures. C'est malheureusement ce qu'a fait le troubadour gascon Marcabru, qui a été congédié par Aliénor d'Aquitaine.
L'autre vierge sonna ses bissa, trouva, mais c'est ça. Des joies, c'est ma sisa, trouvent des villa ira. Cape gronir holissa, veste cardis altre lissa, otra arse miedela aesa. Veis les van perra reisa, tros a femse la serisa. Dol a grande venisa, de ses odi la vira aina. Merci, c'est Dieu, j'ai d'autre ça. Prespire, vénéré ça. Corne, y grèce, d'autre ça. Tots a fim da. Cestata de seversi de la via per ferrame ciongeio carilosi zeloiaia per se sorgir oi vigia para orzate ta besa in hoise rectam sa divina. Il est impossible de parler des troubadours sans parler d'une des stars, Bertrand de Born. Alors Bertrand de Born, ce n'était pas le chant amoureux, mais plutôt le chant contestataire, les fameuses Cervantes, qui servaient à répondre ses idées. C'était un petit peu des tracts chantés à l'époque. Rassatan cresce monte preia. Dei lei che preto c'è io sveia, son pres la cas mei lo en veia, a lo sa me a proileia. Des apeitas rea, a sola de proseia. Delipue, como sente melhor, monte mentra es espetor. Non pae beris oho, vos ten sapra tante rosur, oi nos volmas on beiam. Rasa ris es queios osa, e fai grosen alei de tosa, quei non pasei lordolosa, ni Bretagna, ni Saragosa. Ancestre de prince en veille sosa, oh, alors la vie
présages or. Pour joindre des veines de mon que tous ces corteils Genta cortes hafeia Conde gadares a blanqueina Prilder a lo color divina Blon capelco con flor d'Espagna Tenina e sam blanca e il bec esaina se ad hona den tente iod orpe queisos lo sarno asanzo nuen voi prospo Quel valdador Que conte Dot gloria Duor Que la tornes O desona Rasaton cresce Monte preia Dei laici de tocen de veia Son prescalas menor en veia Con amona prosia del meia Et il y avait aussi son fidèle écuyer Pérol et violoniste de son état. Mentensigo altorzen uns vers mesa, cabals ges mais vechan, quienes desus. E progresse que foramels apresa, chansonet tas ye faere la volkes chartan tarna la ya ya re ya ei vo verse falo rabi ya mes ha sombra que mais de gros vale perque i fa de vostro nos o amos masi tant ses me en presa Gres mes da fae tre ho annois Ec la perdor de portae gaiea E sana in aishara no dai quesa Mi dons hod contre zidia Mi don cede cum labra mia De hop veis de cedore de O mahas non ha No, I'll
Ce valga dame qu'elle trop remue des gestes. Dans des souris, quand ça me poussait les aides à partir by n'aigne noin que n'es gas. L'espère percer la prairie que nos pétresses et nos bradillas que ne la presse non perdra mauvais la roie non va l'homme I'm gonna go to the bathroom.